Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une télé de marque TD Systems. Le modèle, c'est K40DLY2F. Donc, le problème de cette télé, donc il y a le voyant rouge, mais la télé ne s'allume pas. Il n'y a pas ni son, ni image. D'accord? Donc, on va aller voir ça juste après. Alors, j'ai enlevé le cache, rien de compliqué, juste quelques vis. Faites juste attention pour les haut-parleurs, parce que les haut-parleurs sont vissés sur le cache. Et aussi le câble d'alimentation. Il faut les déconnecter, comme ça vous n'aurez aucun problème. Alors, ce qu'on va faire, en premier temps, on va tester les LED, on va voir ce que ça donne. Voir ce que généralement ce genre de problème vient des LED. Donc, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une tension. Donc 180 à peu près. On va rester un petit peu pour voir est-ce que c'est stable ou pas. Et apparemment, c'est pas stable. Donc, on va la même chose et on va voir ce que ça donne. Donc là, regardez, on a presque 100 volts, donc ce qui fait que les LED sont pas bien, parce que normalement ça ne devrait pas donner une tension pareille. 100 volts, ça c'est pas normal. Donc on va retester une autre fois, on va voir ce que ça donne. Donc là, moi j'ai des doutes. Je pense que les LED sont pas bien. Mais on va tester. On va brancher la télé, on va voir ce que ça donne. On va l'allumer. Et là, on va tester, on va voir. Donc là, on n'a rien. Et là, comme vous pouvez le voir, on a de la tension. Ce qui veut dire, c'est le problème vient des LED. D'accord? Donc là, on est sûr que le problème vient des LED. Et on va tout démonter. Donc là, je vais essayer de prendre. Alors, quand vous prenez la télé, il faut la prendre d'en bas, d'accord? Parce que si vous essayez de la soulever comme ça, elle va se décoller et vous risquez de faire casser l'écran. D'accord? Donc, je vais mettre un peu de place. On se retrouve juste après. Alors, comme je vous ai dit, faites vraiment attention quand vous faites tourner la télé. Il faut la tenir comme ça et normalement, il n'y aura aucun problème. Alors, vous aurez ça qui va tomber, ça c'est le bouton
le voyant d'allumage, d'accord, donc c'est pas grave, ça on va le remettre après. Donc là on peut enlever le cache. Donc on enlève le cache. Faites vraiment attention, il est clipsé, d'accord. Donc on va mettre ça de côté. Alors, donc là, en premier on va enlever les adhésifs qui sont là. Donc on va dévisser les cartes de l'écran. Donc il y a deux vis qui le retient. Et là on va enlever l'écran. Donc comme je vous disais tout le temps, vous partagez l'écran en deux. Donc vous mettez l'autre dans l'autre moitié ici à peu près, et la deuxième dans le deuxième carré à peu près au milieu, d'accord. Donc là on peut soulever l'écran sans problème. Donc là, après, on va enlever le support de l'écran. Donc il est clipsé. Donc là, comme vous pouvez le voir, le cache, le support plutôt de l'écran. Donc on enlève cette pile. Donc on met un petit signe pour savoir où était le bas et le haut. Donc là je fais toujours ça. Donc on va mettre ça de côté. Évitez de toucher trop ça avec vos mains pour ne pas laisser des traces. Donc on va enlever ce support qui sont là. Voilà, on peut enlever. Donc on va aller tester les LED. Donc là, la première, elle est bonne. On va aller voir la deuxième. Donc là, la deuxième, comme vous pouvez voir, celle-là, elle est mauvaise. D'accord. On va aller voir l'autre. Donc celle-là, on a une autre qui est ici. D'accord. Donc là, il y en a deux, une ici, une là, d'accord. On va aller voir la dernière. Donc la dernière, elle est bonne. Donc la première, elle est... Donc là, on est sûr que le problème vient des LED. Alors je vais ramener les nouvelles LED et on se revoit juste après. Alors maintenant on va remplacer les LED. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont marquées, vous avez le A, donc elles sont marquées sur les LED et sur le châssis. Donc vous avez un A, donc un B, un C, un B et un A. Donc on a deux A et deux B et un seul C. Donc respectez ça, on va essayer de le décoller.
Donc, on va remettre les lettres. Donc, il y a de l'adhésif. Alors après avoir bien connecté tout les lettres, donc on va renforcer avec du scotch à filament. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors on va passer au test. Donc on va voir ce que ça donne. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça aussi. Ça aussi. Donc c'est bon, on est sûr que tout va bien. Alors on va remettre la feuille blanche. Donc comme j'ai mis donc n'oubliez pas les supports, donc on a un qui est cassé, donc c'est pas grave, on va pas le mettre. Et ben un deuxième cassé. Mais bon. Ils se sont cassés, donc c'est pas grave. Y a pas de problème. De toute façon, les supports, c'est juste pour retenir ça. Et ça, généralement, il n'y a pas de problème. On n'aurait pas besoin de ça. Déjà, eux, ils ont mis au milieu, comme ça, vous n'aurez pas... Mais comme la télé se positionne de cette façon, donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas grave. Si c'était une télé grande, oui. S'il y avait la surface plus grande, oui. Là, c'est important parce que... Le support de l'écran... Donc là, c'est bon, on va remettre l'écran. Faites attention, il faut aller doucement. Donc là, on doit bien s'encastrer, d'accord? Et prenez votre temps parce que... Donc là, c'est bon. Donc on va revisser la carte de l'écran. Alors on va remettre le cache. Donc ce clips aussi. Donc faites attention. Il
Alors, on va passer au remontage. Donc, faites attention quand vous mettez la télé sur l'écran, comme je vous disais. Alors, n'oubliez pas le bouton, le voyant d'allumage, donc il vient ici. Après, on va remettre le cache. Alors, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a le voyant rouge. Donc, la télé s'est allumée. Et là, comme vous pouvez le voir, elle marche sans problème. On va changer. Alors, comme vous pouvez le voir, le problème a été réglé. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.